L'avantage de la Suisse, je dirais, c'est que quand même, le gouvernement et les différentes institutions connaissent la blockchain, connaissent la crypto. Nous, en Suisse, on doit déclarer les cryptos comme des assets normaux quand on fait notre déclaration d'impôts. Enfin, je veux dire, les impôts, ils savent ce que c'est, ils savent gérer ça. Je veux dire, il y a des règles claires de comment tes cryptos, elles sont taxées. Alors nous, clairement, on est clairement plus des believers. On croit plus à un futur qui est multi-chain. On pense pas que notre blockchain est mieux que toutes les autres pour tous les cas d'usage. On est loin d'une adoption qui soit drivée. On n'est pas encore arrivé à l'adoption de la blockchain comme technologie dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses. Donc, je pense que trouver le juste milieu entre faire quelque chose qui est en ligne avec qui on est, les valeurs qu'on a, mais qui tient quand même compte de la réalité du marché auquel on est, et d'avoir une approche un petit peu pragmatique entre les deux et de trouver le juste milieu. Et du coup, aujourd'hui, en termes de chiffres, ça augmente extrêmement rapidement. Donc, à chaque fois que je regarde, c'est un petit peu différent. Mais je dirais, on a environ 100 000 unique active adresses sur le réseau. Après, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on n'arrivera jamais au supply maximum, donc les 1 milliard, parce qu'on a plusieurs forces déflationnaires. Donc, par exemple, on brûle aujourd'hui, tous les frais de transaction sont brûlés. Donc, ça diminue le nombre de half qui existent, quoi. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Maud de Alephium. Hello Maud. Salut, merci de m'avoir invité. Bah écoute, c'est un plaisir. Pour le coup, historiquement, je crois pas avoir reçu nécessairement de projets qui font des Layer 1, en tout cas qui ont créé leur propre Layer 1. J'avais reçu quelqu'un de chez Solana, donc c'était assez intéressant, mais ils ont une approche assez différente de la vôtre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être assez intéressant de pouvoir discuter avec toi de Alephium, de ce que c'est, et de présenter, un petit peu tout ce que vous faites à la communauté, et surtout de comprendre les enjeux autour d'un Layer 1, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent quels sont les enjeux lorsqu'on crée un Layer 1, pourquoi on crée un Layer 1, comment on arrive à avoir de l'attention, créer un bel écosystème, être pertinent techniquement, etc. Donc, je pense que ça va être l'occasion de parler de tout ça. Donc, merci d'avoir accepté aussi cette invitation. Avant de commencer, j'ai souvent l'habitude de demander à mon invité est-ce qu'il aimerait voir quelqu'un de spécifique sur la chaîne. Donc, est-ce qu'il y a des gens que tu trouves intéressants dans l'écosystème et que peut-être que tu connais ou peut-être que tu connais moins, qui mérite selon toi peut-être un peu plus de lumière ou qui pourrait être pertinent pour une interview probablement sur ma chaîne. Alors, je suis la pire personne, je pense, pour répondre à cette question, parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop ces choses-là. Après, je pense que de manière générale, inviter des gens qui discutent sur des sujets qui sont pas nécessairement abordés ou connus, donc que ce soit sur des aspects, je pense qu'un des aspects qui est très important, c'est sur ce qu'on appelle la self custody, donc comment les gens peuvent apprendre à gérer gérer leurs fonds et leur propre wallet. Donc je pense des invités qui ont un peu d'expérience là-dedans, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment utile à tout le monde, parce que je compte pas le nombre de fois où les gens ils sauvegardent pas leur seed phrase, ils la partagent à des gens, et je pense que d'un point de vue juste d'un point de vue éducationnel, il y a quand même des choses qui se mettent en place dans l'industrie pour faciliter cette barrière, les inviter dans cette direction-là, je pense que ce serait utile. Je pense que ce serait intéressant parce que là récemment, j'ai eu un ami à moi qui s'est fait siphonner ses wallets à cause d'un pack de texture Minecraft, c'est assez fou. Comme quoi personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, et que si vous n'avez pas une super bonne hygiène en termes de sécurité, etc., tout peut arriver, et surtout que plus on progresse dans cet écosystème, plus on a investi, et donc plus c'est important en réalité. Voilà, je pense que ce serait évidemment un sujet assez intéressant que j'ai pas nécessairement énormément traité, si ce n'est une interview avec le fondateur de Certik. Mais pour le coup, je pense que ce serait bien d'avoir quelqu'un de dédié vraiment sur la self-custody, notamment pour les gens qui nous regardent et non pas que pour les... Pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu, Maud? Que fais-tu? Te présenter, carte de visite. Ça marche. Alors, moi, c'est Maud Banwart. Chez Alephium, je suis responsable un petit peu de tout ce qui n'est pas le développement du projet, parce que j'ai rejoint le projet en 2021. À l'époque, l'équipe, c'était 3 développeurs. Moi, je suis arrivée un petit peu pour faire tout le reste. Et mon background, avant de travailler pour Alephium, j'ai travaillé dans un crypto exchange. C'était suisse, un petit truc, mais c'était un peu ma première
la première fois que j'interagissais avec l'industrie crypto. Et avant ça, j'ai travaillé dans une toujours dans le côté un peu opération, assez couteau suisse dans les un peu partout. Et avant ça, j'ai travaillé dans une start-up suisse aussi qui travaillait dans la tech sur la mobilité autonome et les voitures autonomes. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré les core développeurs, les développeurs principaux de Alephium. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois dans notre carrière. Et du coup, pour parler un petit peu de tes débuts en crypto, tu disais que les core développeurs, tu les avais rencontrés en fait dans ton ancien taf, donc en tout cas dans un travail qui précédait un petit peu tes expériences en crypto. Comment ça s'est passé exactement? Comment ils ont réussi à te convaincre peut-être de t'intéresser aux cryptos, parce que je suppose que voilà, quand t'es dans la tech, évidemment c'est plus facile de s'y intéresser, mais tous les gens qui sont dans la tech, travaillent dans la tech, n'ont pas nécessairement des cryptos et ne travaillent pas nécessairement, en tout cas n'ont pas fait nécessairement la transition vers le Web3, etc. Ouais, bah alors ça s'est fait un petit peu différemment en fait. Donc on a travaillé les premiers core members de l'équipe de Alephium, on a tous travaillé dans une autre, donc vraiment les 4-5 premières personnes de Alephium, on a tous travaillé dans une entreprise qui s'appelait Best Mile, du coup, comme je disais, sur la mobilité autonome. Mais après, on a pris des routes différentes et on n'était pas particulièrement proches nécessairement, mais c'était une petite start-up aussi, hein, d'une vingtaine de personnes, donc on va quand même dire qu'on se connaissait. Et on a pris un petit peu des routes différentes. Tu vois, on a travaillé ensemble. Après, on a pris un petit peu des routes différentes. Cheng, le fondateur, je crois qu'il est parti travailler comme data scientist. Je me souviens plus exactement dans une. Je crois que c'était chez Swisscom, qui est un grand opérateur. Et moi, je suis partie travailler dans cet exchange en Suisse parce que j'avais envie de changer de travail. Et quelqu'un de cette entreprise qui, au final, est aussi arrivé chez Alephium et allait travailler là-bas. Du coup, moi, je suis allée dans cette entreprise. Et là, j'ai vraiment eu mon immersion crypto, parce que j'ai commencé en décembre 2017. Donc, pour ceux qui étaient déjà dans la crypto à ce moment-là, vous savez que c'était un peu le boom, le pic des ICO. C'est le moment où il y avait les CryptoKitties sur Ethereum. Je ne sais pas. Je me souviens. Mais en gros, le réseau était complètement saturé. Et c'est aussi la première fois que Bitcoin avait dépassé les 20 000 dollars. Et moi, je suis arrivée là, je ne connaissais pas. Enfin, j'avais entendu parler de Bitcoin, mais je connaissais rien. Et du coup, pendant ma période de transition de mon ancien job à mon nouveau à ce job dans la crypto, je m'étais dit, je vais aller aider sur les chats Telegram, enfin dans la communauté, pour apprendre. Mon Dieu, bah, j'ai appris vite, hein. c'était un petit peu le baptême du feu où je suis arrivée au moment où tout était compliqué. Il y a rien qui marchait. Tout le monde était en panique parce qu'on vivait un truc que personne n'avait vécu avant, enfin que l'industrie n'avait pas vécu avant. Voilà. Et puis du coup, j'ai travaillé dans cet exchange pendant presque 3 ans. Et en fait, il y a toute une histoire autour de cet exchange. Mais en gros, on a beaucoup travaillé dans cet exchange. J'ai beaucoup travaillé au niveau opérationnel, mais surtout aussi des discussions avec les régulateurs, parce que cet exchange a essayé d'être régulé en Suisse. Donc on a fait toutes les demandes, toutes les interactions avec les régulateurs. Ça n'a pas très proche du but, ils ne sont pas encore arrivés. Et en fait, quand je suis partie, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Alephium, parce qu'ils m'ont demandé, j'ai vu que tu avais travaillé avec ces gens-là avant, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis dit, tiens, s'il y a des gens qui m'en parlent, ils doivent faire quelque chose de bien, parce que... Mais c'était vraiment au tout début. Et du coup, en fait, j'ai un peu regardé et moi, je cherchais autre chose et on avait déjà travaillé ensemble. Donc, ils savaient un petit peu que je pouvais les aider un peu sur tout. Voilà. Et comme on avait quand même... On a toujours eu vocation à rester une équipe assez petite et efficace. J'étais un profil qui correspondait bien parce que du coup, j'avais un peu touché à tout, que ce soit ayant travaillé dans des startups, j'avais touché du marketing, de la com, mais aussi du legal, tous les aspects légaux, aussi de la technique, parce que toutes les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, c'était quand même assez... un exchange, c'est peut-être moins technique, mais ça reste dans un domaine blockchain qui est, lui, technique. Et du coup, j'étais bien à l'intersection de tout ce qu'ils avaient besoin. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Alephium. Et c'est une sacrée aventure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et comment ça de travailler en crypto et d'entreprendre aussi en crypto en Suisse?
Parce que pour le coup, j'avais l'impression que c'était plutôt friendly, en tout cas que les activités crypto étaient plutôt encouragées dernièrement. Est-ce que ça a toujours été le cas? Comment c'est en fait de travailler en Suisse en crypto, etc. Parce que tu me disais que l'exchange dans lequel tu travaillais aussi avant avait aussi eu du mal peut-être à se réguler ou se mettre au point à ce niveau-là. Ouais. Alors c'était plus ils ont appliqué pour une licence en Suisse et ils sont arrivés presque jusqu'au bout et à la fin ils ont pas. Il y a des règles en termes de levée de capital et de choses que tu dois faire pour pouvoir opérer comme un certain type de d'acteur pour avoir une certaine licence, et c'était plutôt sur ce truc-là. L'avantage de la Suisse, je dirais, c'est que quand même d'un point de vue, il y a beaucoup de choses qui sont le gouvernement et les différentes institutions connaissent la blockchain, connaissent la crypto. Après, la Suisse, elle a un peu cette particularité d'être fractionnée en cantons. Donc, malgré que la Suisse soit assez petite, t'as quand même des grandes différences de connaissances entre les cantons où t'as sur Zurich et Zug, qui sont les cantons. Là, les autorités, que ce soit les autorités d'un point de vue des impôts, ils sont quand même très familiers avec beaucoup de cas de figure pour les entreprises. Si tu vas sur des cantons qui ont peut-être moins d'entreprises blockchain, t'as peut-être un petit peu moins ces choses-là, mais en dehors de Zug et Zurich, il y a quand même, que ce soit sur le canton de Neuchâtel, il y a aussi une grande communauté crypto sur Genève, je crois que ça commence à se développer aussi. Donc, il y a une certaine compréhension, il y a quand même un petit peu plus de clarté sur qu'est-ce qui est régulé, qu'est-ce qui ne l'est pas, par exemple, par rapport à la France. Ou en tout cas, peut-être, il y a des avocats qui ont plus d'expérience. Enfin, il y a quand même un petit peu plus d'expérience, je dirais, sur ces choses-là. Et peut-être un tout petit peu moins, un petit peu plus de connaissances. Donc, ça facilite grandement, les impôts quand tu déclares des cryptos. Nous, en Suisse, on doit déclarer les cryptos comme des assets normaux quand on fait notre déclaration d'impôts. Les impôts, ils savent ce que c'est, ils savent gérer ça. Il y a des règles claires de comment tes cryptos, elles sont taxées. Donc, t'as quand même une, relativement, je dirais, par rapport au reste du monde, une certaine connaissance et ces choses-là. Et il y a clairement, en tout cas, je dirais, une volonté d'accueillir. Après, je veux pas parler au nom de ces choses-là, mais en tout cas, clairement plus que beaucoup d'autres pays quand on entend d'autres projets. Après, pour un projet crypto, ce qui est toujours le truc le plus difficile, honnêtement, c'est les relations avec les banques. Et ça, c'est vrai en Suisse. Ça, c'est vrai... partout dans le monde, c'est quand t'as un projet crypto, c'est comment est-ce que tu existes dans le système, parce que quand t'es une entreprise ou une vraie entreprise, que t'es pas en mode full crypto, tout décentralisé, tout en crypto, il faut quand même que t'interagisses avec le système financier classique et de trouver une banque. C'est vraiment ça un petit peu, je dirais, qui est le plus gros challenge. Et même aujourd'hui en Suisse, il n'y a pas beaucoup d'options qui ne sont pas très coûteuse, parce qu'on va aller sur des banques privées, parce que les banques commerciales, de manière générale, pour les entreprises, ne veulent pas se mêler à ça. Voilà. Ouais. Après, notre entité, elle est sur le canton de Neuchâtel, parce que le canton de Neuchâtel, que ce soit sur la promotion, département de promotion économique, même les impôts, le département des impôts, mais aussi la banque cantonale, donc une banque commerciale, je dirais, donc avait quand même une envie de s'ouvrir un petit peu à ça. Et du coup, nous, on a eu l'opportunité, on a la chance aujourd'hui d'avoir un compte bancaire dans une banque commerciale, puisque les banques privées, les banques privées qui acceptent les projets crypto, on est sur c'est des frais, tu payes. On est toujours un compte en banque et tous tes services, ça va coûter super cher. Ça coûte 50 000 euros par an, en fait. Donc, c'est quand même. C'est délirant. Ça peut être très délirant pour beaucoup de gens. Donc, on a eu la chance, d'avoir une banque commerciale et du coup, ne pas avoir eu à partir sur des banques privées. Je dirais que ça, c'est le plus gros challenge, toujours en Suisse. Et je pense partout dans le monde quand même pour les projets. Et après, malheureusement, même ça, c'est pas toujours, c'est pas garanti. Les politiques bancaires changent, les banques elles-mêmes changent des fois leurs politiques. Ils ont beaucoup de pression extérieure, même à la Suisse. Hein. Les Américains, par exemple, ils font beaucoup de pression sur ces choses-là. Donc, il y a quand même toujours un petit peu cette incertitude de
même si aujourd'hui notre situation est stable, on n'a pas, et c'est vrai dans le truc bancaire, mais c'est aussi vrai sur la partie régulatoire. Il n'y a pas de certitude. Donc il faut savoir rester agile et être prêt à évoluer avec tous les acteurs qui sont autour Donc je dirais il y a ça. Après ce qui est assez sympa en Suisse, c'est que tu as vraiment des communautés tu as des communautés très différentes. Neuchâtel par exemple, c'est très c'est vraiment des gens passionnés par la tech. Donc tu as vraiment un petit peu les gens qui sont là depuis un petit peu plus longtemps dans la crypto avant 2017, avant 2015. Mais t'as aussi les OG. Beaucoup exactement, mais t'as aussi beaucoup plutôt aux alentours de Zurich Zug, là t'as vraiment beaucoup d'avocats, des anciens banquiers. Donc t'as vraiment beaucoup d'univers différents dans l'univers crypto suisse, et du coup c'est super enrichissant parce que du coup t'as vraiment accès à des connaissances et des ressources qui touchent vraiment à tous les niveaux de l'écosystème, et du coup c'est quand même super utile en tant que projet de pouvoir s'appuyer sur ça, en fait, sur ces communautés différentes avec des connaissances différentes. Et du coup, Alifium, pourquoi créer un Layer 1 alors que Bitcoin et Ethereum existent? Quelles sont un petit peu les motivations, et quelle est un petit peu la proposition de valeur tout simplement derrière Alifium? Alors Alifium, donc je parle au nom du fondateur parce que moi je suis pas tech, donc je code pas, donc c'est pas moi, mais en fait lui, ce qu'il a drivé vraiment, c'était de voir en fait que l'industrie, de surtout dans la partie smart contract et applications décentralisées et DeFi, la majorité de l'industrie, en fait, elle est partie dans une direction, sont partis sur des choix techniques, et en fait l'intégralité de l'industrie est construite sur ces mêmes, l'intégralité, c'est j'exagère, mais la grande majorité de l'industrie, une grande partie, surtout de la partie DeFi, d'app, applications décentralisées, sont construites sur la même infrastructure technique, à savoir l'account model qui a été introduit par Ethereum, EVM ou EVM compatible. Ce qui a des énormes bénéfices sur plein d'aspects, mais ça aussi, comme tout, hein, il y a toujours des trade-offs, il y a beaucoup de bénéfices, mais il y a aussi des aspects un petit peu négatifs. Mais en gros, aujourd'hui, la majorité de l'industrie construisait sur ça, et aussi la majorité de l'industrie quand même s'est dirigée vers le proof of stake pour adresser la partie plutôt scalabilité. Et du coup, ça veut dire qu'une grande majorité de l'industrie repose sur la même technologie et hérite du coup de tous les bénéfices, mais aussi tous les inconvénients. Le fondateur d'Alifium voulait, c'était proposer une vraie alternative à ça, et de montrer que sur les technologies qui ont été présentées par Bitcoin la première fois, en évoluant, en innovant sur ces technologies, on pouvait aussi délivrer une blockchain Layer 1 qui soit scalable, qui préserve un petit peu les aspects sécuritaires et de décentralisation qui sont offerts par le modèle Proof of Work, et parce qu'on construit sur une autre base technologique, d'offrir vraiment une infrastructure vraiment différente en termes de bénéfices et d'inconvénients sur tout ce qui est d'app et écosystème. Et du coup, on a créé aujourd'hui, je pense que on offre quand même quelque chose qui est très différent technologiquement de la majorité de l'industrie, et c'est assez puissant quand même, parce que si on regarde après on rentre sur des détails super techniques, donc je veux pas aller dedans, mais je pense que en fait, de construire sur des technologies différentes, ça nous permet d'approcher certaines problématiques vraiment différemment, et d'offrir une solution qui est très différente, que ce soit pour les utilisateurs, même si eux, idéalement, l'utilisateur devrait pas trop sentir la blockchain. Idéalement, quand on arrive à un stade d'adoption, la blockchain, ça devient une infrastructure, donc on s'en fiche, mais l'utilisateur ne devrait pas la ressentir. Et après, par contre, pour les développeurs, ça offre un paradigme vraiment différemment. Donc, à l'Alifium, je pense qu'il y a trois endroits où nos choix technologiques font qu'on offre quelque chose un petit peu différent de ce qu'on voit dans la majorité du reste de l'industrie. Le premier, parce que c'était un peu le grand sujet au début, mais je pense que pour moi, c'est celui qui est peut-être le plus pertinent à terme, s'il fallait en choisir qu'un, mais c'est la scalabilité. Aujourd'hui, la scalabilité, c'est quelque chose qui est très important. On voit qu'une grande partie de l'industrie aujourd'hui, pour la scalabilité, c'est dirigé vers le proof of stake, qui a des avantages et des inconvénients. Il y a beaucoup d'opinions dans la crypto, donc j'essaie pas de
d'antagoniser ni l'un ni l'autre, mais voilà, il y a quand même une grande partie de l'industrie crypto qui pense que proof of work reste plus décentralisé, plus résistant à la censure que proof of stake. C'est aussi un consensus, un mécanisme de consensus qui a été testé à large échelle sur bien plus longtemps, on va dire, parce que Bitcoin a commencé bien plus tôt que les chain proof of stake, donc c'est quelque chose qui a été bien plus qui était plus battle tested, comme on dit. Donc on a fait le choix d'être sur proof of work, et ensuite on a fait le choix d'être sur le modèle aussi toujours on a innové sur ces modèles là. On est aussi un peu basé sur le modèle UTXO qui avait été introduit par... Et en fait, d'un point de vue scalabilité, nous, on est parti sur le principe du sharding. Donc, le sharding, en fait, ça veut juste dire le partitionnement et, en gros, la parallélisation. Donc, en fait, tu sépares un gros truc en des morceaux plus petits pour que tu puisses les processer de manière plus rapide. Et ce concept-là, tu peux l'appliquer à plein de choses différentes et tu peux le faire de plein de choses différentes. La plupart des blockchains proof of stake ou account based, la façon dont elles le font, c'est qu'elles séparent les accounts sur différentes blockchains. Parce que ce qui est stocké sur une blockchain qui est account based comme Ethereum, ce qui est sur les données qui sont sur la blockchain, c'est un account et une balance. Le montant qui est associé à ce wallet. Et du coup, ils partitionnent les wallets sur des blockchains différentes. Et après, en fonction de comment à qui tu envoies, à quel wallet tu envoies des sous, soit tu vas avoir une transaction sur une blockchain, soit, et c'est là que l'expérience utilisateur se dégrade, tu vas avoir une transaction qui va devoir aller d'une blockchain à l'autre. Et là, tout d'un coup, en termes d'expérience utilisateur, c'est quelque chose que tu pénalises grandement, parce que du coup, c'est plus homogène sur le réseau. Selon comment tu transactes. Je parle des layers 2 ou des layers 3, des choses comme ça. Alors, il y a plein de mécanismes différents pour faire ces transactions qui sont... Il y en a qui utilisent des Bitcoin chain. Tu peux imaginer faire des bridges. Cette partie-là, c'est pas ce que nous, on fait. Je suis pas assez technique pour te dire exactement, mais l'aspect négatif de faire du sharding sur des blockchains account base, c'est que tu peux pas vraiment éviter le fait que certaines de tes transactions, en gros, doivent se faire entre blockchains. Et là, t'introduis un niveau de complexité qui se ressent au niveau de l'utilisateur. Et à Alephium, comme on a fait le choix de partir sur une blockchain qui est ce qu'on appelle UTXO based, en gros, ce que ça veut dire, que ce qui est stocké sur la blockchain, c'est les transactions. Sur la blockchain, il n'y a pas de account, il n'y a pas de balance. Il y a des transactions. Et du coup, c'est un petit peu compliqué quand tu veux programmer, parce que du coup, si tu veux ne serait-ce que montrer dans un wallet une balance, il faut que tu reconstruises la balance en additionnant avec tout l'historique de toutes les transactions. Ouais. Toutes les transactions qui sont liées à cette public key, au public key de ton wallet. Mais par contre, dans le sharding, ça te permet de paralléliser les transactions. Et du coup, d'un point de vue utilisateur, nous, on fait du sharding aussi, mais par contre, comme on est parti sur une base technologique, une blockchain différente, l'utilisateur, peu importe où il est dans notre réseau, toutes ces transactions sont sur des blockchains. Parce qu'en fait, nous, on a pas partitionné les accounts, parce que ce concept-là n'existe pas sur la blockchain, on a partitionné les transactions. Donc, tu as vraiment le bénéfice du sharding, donc où tu peux augmenter le throughput, les TPS du réseau, sans dégrader autant l'expérience utilisateur, parce que dans tous les cas, toutes les transactions sont sur une blockchain, elles sont toutes sécurisées de la même façon, donc avec le mécanisme de consensus, et c'est toujours en une seule étape. Et en fait, donc ça nous permet nativement sur une blockchain proof of work qui a aussi des smart contracts. Aujourd'hui, on a 16 blockchains sur le réseau Alephium. Ça nous permet, avec Sage Blockchain, en tout cas, de processer jusqu'à 400 TPS, donc transactions par seconde. Mais du coup, on peut augmenter le numéro. C'est quoi, c'est 16 shards, du coup, c'est ça? Ouais, c'est 16 Blockchain, 16 shards. Et on peut augmenter jusqu'à 1024 blockchains. Et ça monte le réseau. Le réseau est capable de processer bien plus que 10 000 transactions par seconde. Voilà. Et du coup, ça permet, ça c'est sur la partie scalabilité, et de nouveau d'avoir fait un choix technologique différent, ça nous a permis d'adresser ce challenge de scalabilité différemment de la majorité, parce que de nouveau, on part pas avec les mêmes contraintes, en gros.
Et là où je pense qu'on a fait vraiment le truc, le deuxième point où là on a vraiment une expérience différente, c'est sur vraiment tout ce qui est. Et pour moi, c'est aujourd'hui, je pense, le plus pertinent, je dirais. C'est peut-être pas forcément le plus simple à expliquer, mais c'est le plus pertinent. C'est sur tout l'environnement de développement des smart contracts et des applications décentralisées. Donc nous, on a proposé notre on est basé sur le modèle UTXO, donc comme je disais, avec ou sur la blockchain, les informations sur la blockchain, c'est les transactions en gros. Mais on n'utilise pas le même modèle UTXO que Bitcoin ou que, par exemple, Cardano, qui est le, je pense, ce que les gens connaissent le plus, qu'ils ont quelque chose qui s'appelle l'extended model UTXO model, qui a vocation de rendre plus facile la programmation sur ce modèle. Nous, on a quelque chose qu'on appelle ça le stateful UTXO. Et en gros, pour simplifier, ça veut dire qu'au niveau des smart contracts, ils ont les mêmes attributs que ce qu'on voit sur un modèle account-based, donc sur Ethereum, mais on préserve le modèle UTXO pour tout ce qui est la gestion des tokens. Et en gros, ça veut pour aller au résultat de ça, ça veut dire que comme on construit sur des technologies différentes, ça veut dire qu'il y a énormément de problèmes qu'on n'a pas par design. Donc typiquement, les gros vecteurs d'attaque qu'on voit qui sont exploités régulièrement sur les blockchains EVM, il y a l'attaque de la re-entrancy. C'est genre, il y a des protocoles qui se font drainer à peu près toutes les semaines. Je crois que c'est plus de 1 milliard par an d'argent qui est perdu à cause de... Donc c'est énorme. Et ça, typiquement, parce qu'on est UTXO-based, c'est ce genre, et notre VM, ces choses-là, c'est juste... Cette attaque n'existe pas. Et il y a autre chose aussi, comme on est parti sur des modèles différents, on a pu développer tout ce qui était la virtual machine et le contrat, le smart contract, le langage de développement des smart contracts. On l'a développé de zéro, mais du coup, on a vraiment tout développé avec dans l'idée de rendre extrêmement simple de développer des choses sécurisées. Parce que l'environnement EVM Solidity, il est extrêmement puissant, mais il est super ouvert dans le sens où tu peux faire beaucoup de choses et c'est très, très, très dur d'écrire, de développer un smart contract qui soit secure. Parce que déjà, il y a des vecteurs d'attaque que tu peux pas, tu peux pas vraiment protéger. Et surtout, je veux dire, il y a même des protocoles qui ne rendent plus leur contrat public parce qu'ils ont trop peur de ne pas avoir vu des vecteurs d'attaque. Il y a des protocoles qui sont faits auditer, tu parlais de Certic avant, qui sont faits auditer par plein tout de monde. Fois. C'est très dur. Et du coup, on passe beaucoup plus de temps au final à s'assurer que son smart contract est secure et sécurisé, qu'à vraiment développer des choses innovantes parce que ça devient, parce que voilà. Et c'est un peu c'est toujours une balance en fait entre les choses. Et du coup, on a développé, tout a été développé sur LFM pour vraiment essayer d'offrir un environnement où c'est dur de faire des erreurs, où c'est dur de faire des erreurs et où c'est très simple de développer quelque chose de sécurisé. Un autre, dans ce milieu-là, un autre truc qu'on a fait, un autre vecteur qu'on voit souvent et je pense que les gens l'ont peut-être expérimenté, quand un smart contract se fait hacker, souvent le protocole va demander aux gens de révoquer l'autorisation de leur wallet. Parce qu'en fait... On l'a déjà vu hier. Hier, il y avait des problèmes, etc. Et on était tous obligés de révoquer des choses qu'on avait signées, qu'on avait approuvées, parce que sinon, tu t'es exposé au fait de te faire drainer, siphonner ton wallet si tu avais approuvé et signé les mauvaises choses. Exactement, parce qu'en fait, parce qu'en fait, de manière générale, sur EVM, tu pré-autorises le smart contract à interagir avec ton wallet, souvent de manière unlimited. Et ça, par exemple, de nouveau, comme on vient après, c'est plus facile de voir un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est exploité. Et nous, quand je dis nous, je veux quand même rendre, je veux dire, c'est les core développeurs, le fondateur, c'est pas moi. On a développé un système où, enfin, la façon dont on l'a développé, où ce genre de choses, c'est pas possible sur LFM. Les smart contracts ne peuvent pas venir drainer les assets. Tu ne fais que transaction par transaction avec un smart contract, tu ne pré-autorises rien du tout, tu n'autorises, au moment où tu fais la transaction, tu n'autorises que cette transaction. Et du coup, voilà. Donc, en résumé, on a vraiment essayé de faire quelque chose et on a pu, la raison pour laquelle on a pu faire ces choses-là, c'est parce qu'on a construit sur des technologies différentes. Donc, bien évidemment, ça prend plus de temps. De pas être EVM compatible, c'est quelque chose qui est bloquant dans l'expansion, parce qu'aujourd'hui, tu parles avec, Solana ont eu le même problème en réalité. Et exactement, parce que dès que tu choisis de pas être EVM compatible,
comme la grande majorité de l'industrie est EVM compatible, surtout quand tu es une jeune layer one, ben du coup tu représentes une charge de travail si tu veux intégrer, mais même intégration avec un exchange ou avec des wallets, avec des oracles, si vu que l'industrie est majoritairement EVM based, tant que t'as pas atteint une taille où t'es suffisamment intéressante, critique en fait, c'est trop de risques et d'efforts et de coûts pour que pas assez que de rendement ou de retour sur investissement, voilà, pour eux par exemple. Donc c'est plus difficile de commencer, c'est plus difficile. Mais nous, tout l'intérêt d'Alephium, c'est justement ça, c'est de construire, c'était d'offrir une alternative. D'avoir une alternative. C'est pas de remplacer, c'est pas de remplacer ou quelque chose comme ça, mais c'est d'offrir un environnement. Comme on est basé sur des technologies différentes, on peut vraiment offrir un environnement complètement différent avec des possibilités différentes et surtout en limitant beaucoup de vecteurs d'attaque. Et après, parce que là, on est parti un peu comme ça, mais le dernier point, la dernière petite innovation qu'on a, c'est sur le proof of work. Parce qu'une des grandes critiques, à tort ou pas, du proof of work, c'est la côté consommation énergétique. Je pense que nous, on a aussi choisi Proof of Work parce que une des choses pour nous qui était très importante dans la valeur de la blockchain, c'est en fait le côté ce qu'on appelle la trustlessness. C'est le fait de ne pas avoir à faire confiance à des third parties, à d'autres personnes, et de pouvoir tout vérifier soi-même. Il y a un peu ce slogan « Don't trust, verify ». Et en fait, oui, il y a un coût de miner un nouveau bloc, mais le coût aujourd'hui pour un individu lambda d'aller vérifier sur la blockchain les informations directement sans intermédiaire est moindre. Aujourd'hui, sur beaucoup de blockchain proof of stake, le coût d'avoir un nœud, pas un nœud qui valide, juste un nœud qui va aller regarder les informations sur la blockchain, c'est hors de portée pour les individus et c'est hors de portée pour certaines entreprises. Ce qui veut dire que ils doivent s'appuyer sur des intermédiaires pour aller vérifier les informations sur la blockchain. De nouveau, c'est peut-être OK, c'est un compromis qui est peut-être OK pour beaucoup de gens, mais il y a aussi pour beaucoup de gens pour lesquels ça l'est pas. Et de pouvoir vérifier directement soi-même les informations, ça a une valeur. Et du coup, pour nous, c'était important cet aspect-là. Je pense que cet aspect-là est assez important à prendre en compte aussi quand on parle de la consommation énergétique du modèle Proof of Work. Oui, clairement, le coût de miner un nouveau bloc consomme plus d'énergie que le coût de miner un nouveau bloc sur une blockchain proof of stake. Mais c'est quoi le coût énergétique d'aller vérifier les informations soi-même sur la blockchain? Dans certaines blockchains proof of stake, il faut le coût du serveur pour faire tourner un nœud, c'est, on est dans des centaines de milliers de, on est au-dessus de 100 000 francs, 100 000 euros, à peu près pareil, les 7 ans. Donc voilà. Donc c'était important pour nous d'être proof of work, mais on avait quand même envie d'offrir un petit compromis sur la consommation énergétique. Et en gros, on a quelque chose qu'on a appelé Proof of Less Work. Mais en gros, une façon simple de le voir, c'est qu'on est Proof of Work classique jusqu'à un certain hash rate de notre réseau. Donc, jusqu'à un certain nombre de mineurs, un certain hash rate du réseau. Et passé ce stade, en fait, on devient une combinaison de Proof of Burn, si tu veux simplifier, et proof of work. Donc en gros, le coût de miner un nouveau bloc jusqu'à un certain hash rate, il est toujours payé en computing power, donc en hash, il est payé comme ça, et quand on arrive à un certain point, le coût de miner un nouveau bloc, il continue d'augmenter, mais au lieu d'être payé entièrement en computing power ou en hash, il est payé en partie en hash, en computing power, et en partie, les mineurs doivent brûler des Alephium pour pouvoir miner un bloc. Donc, tu le payes avant, hein. Tu le payes pas après parce que sinon tu baisses le coût. Donc, avant de miner un bloc, ils doivent à la fois fournir le computing power et ces choses-là. Et du coup, ça permet, en fait, de limiter l'augmentation du coût, passer un certain, du coût énergétique. Le coût de miner un bloc continue d'augmenter exactement comme il augmente en proof of work, mais tu le payes pas pareil. Tu le payes plus exclusivement en computing power et ça nous permet, si un jour, on a la chance d'avoir un hash rate ou une utilisation du réseau aussi grande que Bitcoin, ça limiterait la consommation énergétique du réseau à presque ça limiterait presque de 90%, ça baisserait la consommation du réseau de presque 90% par rapport à le proof of work classique, en gros. Donc ça permet, on arrivait à une utilisation qui était très importante. Voilà, faut passer à un certain hash rate, c'est à peu près 1000, je crois, ça faudrait que je vérifie, mais c'est à peu près 1000 fois
le hash rate qu'on a actuellement. Je sais plus si c'est 1000 fois ou 10 000 fois, mais c'est genre, c'est dans ces ordres de grandeur. Donc nous, aujourd'hui, on est en proof of work classique. On est en proof of work classique. Et qu'est-ce que toi tu penses, par exemple, des autres layer one qui sont disponibles ou qui essayent de choses? On a beaucoup parlé d'Ethereum et de Bitcoin, mais tu vois, par exemple, récemment, on a vu des Solana, des Avalanche, des Polkadot, on a vu le Cosmos Hub, on a vu ces approches-là, etc. De quel œil vous voyez ça? Est-ce que vous essayez un petit peu de prendre le meilleur de tous ces mondes pour construire le vôtre d'une certaine manière? Parce que j'ai un peu aussi l'impression que c'est ce que vous faites. Est-ce que, par exemple, il y a d'autres blockchains que Bitcoin ou Ethereum qui vous ont inspiré? Et de quel œil vous voyez un petit peu ces autres layer one de votre côté, techniquement ou même en termes d'adoption? Parce que je pense que ça peut être aussi assez inspirant vu, aujourd'hui, on a quand même un set de users qui est assez limité et on a plein de propositions de valeurs différentes. Et je pense que vous devez vous régaler à regarder ce que les autres font, etc. Et parce que tout le monde expérimente en soi dans cet écosystème. Ouais. Alors nous, clairement, on est clairement plus des believers. On croit plus à un futur qui est multi-chain. Donc on pense pas que notre blockchain est mieux que toutes les autres pour tous les cas d'usage. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est offrir quelque chose. Ethereum ne va pas tuer Bitcoin ou Ethereum. C'est ça que tu veux dire. C'est pas l'objectif qu'on se fixe. On pense vraiment que il y a plein de use cases différents. Et je pense qu'aujourd'hui, la blockchain n'a pas encore. Je veux dire, on est même dans l'industrie en général. On est vraiment au tout début. Que ce soit Bitcoin ou Ethereum, qui sont les premières, ils sont encore en train. Alors Bitcoin peut-être un peu moins, mais encore en train d'expérimenter, encore en train de changer. Je pense qu'on est vraiment au début. Donc aujourd'hui, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres font. Et d'offrir des choses différentes. Après, et du coup, pour nous, clairement, on s'inspire et on regarde. Donc, clairement, les grandes sources d'inspiration, en tout cas, les grosses bases sur lesquelles, c'est Bitcoin et Ethereum, parce que c'est les premières. Après, il y a beaucoup de choses. Typiquement, là, dans notre prochaine network upgrade, on va réduire ce qu'on appelle le block time. Donc, combien de temps ça prend pour un bloc pour être miné, en gros. Et typiquement, pour faire ça, on va utiliser une adaptation du Ghost Algorithm, c'est la version qui est utilisée par Ethereum, mais ça, par exemple, ça a été développé, le premier Ghost Algorithm, ça a été fait par les fondateurs de Caspa, qui est une autre layer one, pour pouvoir aussi. Donc, il y a vraiment... je pense que on a tous l'occasion de s'inspirer les uns des autres et de. Alors, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, pas forcément les mêmes use cases qu'on target, pas forcément les mêmes values sur qu'est-ce qu'on préfère prioriser de l'un par à l'autre. Mais je pense qu'on a tous intérêt à apprendre les uns des autres et à échanger de manière. Je veux dire, on a le droit de pas être d'accord, mais ça veut pas, ça ne diminue pas la légitimité d'autres approches. Surtout que c'est assez intéressant parce que tu peux voir ce qui marche moins bien, et puis derrière, quand t'as un certain historique, etc., potentiellement essayer de l'intégrer si ça fait sens pour vous. C'est comme ce que tu mentionnais ici. Et vice versa, on espère qu'un jour certaines choses que nous inspirer les autres, parce que il y a pas grand chose qu'on a pris tel quel, tu vois. Le modèle UTXO, on l'a évolué, on l'appelle le Stateful UTXO, c'est très différent. Notre VM, on l'a fait comme ça. Même le Proof of Less Work, l'idée de ça, c'est des choses qui avaient déjà été, ça a été inspiré d'un autre papier de recherche de chercheurs, mais qui l'ont jamais implémenté et qu'on a un petit peu adapté. Donc il y a vraiment, je pense qu'aujourd'hui, mais dans tous les domaines, d'apprendre les uns des autres, c'est l'approche qui bénéficie le plus à tous. Si tu devais avoir un regard un peu critique sur ce que vous faites, qu'est-ce que tu critiquerais? Qu'est-ce qui te semble quelque chose que vous devriez modifier ou des choses sur lesquelles vous avez des points faibles, par exemple? Parce que jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup des points forts. Sur quelles choses tu penses vous êtes actuellement pas assez bon, pas au niveau, ou encore ça représenterait une certaine faiblesse dans la proposition de valeur de Alephium? Alors, il y en a certes, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a différents aspects. Il y a les aspects où aujourd'hui, tu vois, alors, il y a des choses qui sont de notre ressort. Il y a des choses qui sont des conséquences de certains choix qu'on a fait. Après, ça ne veut pas dire qu'on ferait des choix différents, tu vois. Donc c'est ce que je t'explique, c'est ce que je disais avant sur la partie d'avoir. On nous demande toujours, vous pensez être EVM compatible. Le fait d'avoir choisi
de ne pas être EVM compatible. Après, c'était tout le but de la de Alephium. Donc, je veux dire, c'est pas un choix sur lequel on peut vraiment. On peut pas revenir dessus parce que ça fait partie des motivations initiales de pourquoi est-ce qu'on a créé Alephium. Mais de faire ce choix-là aujourd'hui, clairement, ça veut dire que en termes d'adoption, ça va nous prendre plus longtemps. C'est un choix qu'on a fait qui va nous prendre plus longtemps. Ça va nous prendre. Ça veut dire que notre on peut pas juste dire. Enfin, ça augmente la barrière pour des nouveaux développeurs à venir. Donc il y a ça c'est un choix. Et aussi pour nous, pour l'évolution de l'écosystème, comme on en parlait aujourd'hui, les gros oracles, par exemple, parce que si on parle DeFi, qui est quand même l'endroit où il y a le plus d'adoption, t'as besoin d'oracles pour beaucoup de protocoles DeFi. Les gros oracles. Aujourd'hui, ils travaillent principalement avec des chains EVM. Si on était une blockchain EVM, alors je ne sais pas si on serait suffisamment gros même en étant EVM pour les intéresser, mais dans tous les cas, comme on n'est pas EVM, la taille critique qu'on doit atteindre pour que pour eux ça vaille la peine de nous considérer, elle est beaucoup plus grande que si on était EVM compatible. Donc ça, c'est des choix aujourd'hui. Mais après, c'est des choix fondamentaux qui sont propres à qui on est et pourquoi on a fait ces choix. Donc ça, on ne reviendrait pas dessus. Après, il y a peut-être aussi des choix. Je pense pas que ce soit les mauvais choix, hein. Donc je pense pas qu'on reviendrait dessus, mais on est très conservateur. On construit les choses une par une. D'abord, on construit les choses assez petites. Par exemple, la virtual machine, les smart contract language. On commence avec les features basiques et on évolue au fil du temps, au fil de l'écosystème. On n'est pas arrivé. Avec quelque chose d'extrêmement ouvert où tout est possible dès le début. Ou très parce complet, que ce qui du coup, pareil, ça peut être pénalisant parce que du coup, ça veut dire que tu arrives, pas forcément tout est possible pour n'importe qui. Ça veut dire qu'il y a certains features qui doivent d'abord être développés dans la virtual machine pour qu'ensuite ils peuvent être pris. Après, n'importe qui, c'est permissionless, hein, donc n'importe qui théoriquement pourrait développer ces features. Après, il y a quand même la réalité que pas tout le monde a pas tout le monde a les compétences de le faire. Donc, tu as quand même t'as cette chose où du coup, on a pris une approche peut-être un peu plus délibérée, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas possibles. Ça veut juste dire qu'on fait les choses étape par étape parce qu'on veut éviter le truc d'ouvrir trop au début et ensuite de se retrouver dans des situations, dans la même situation qu'IVM où du coup, il y a des choses qu'on a introduites trop vite et on n'a pas nécessairement eu le temps de réfléchir à l'impact long terme. Donc ça, c'est pareil, c'est un choix qui est intentionnel, mais qui, dans certains cas, peut être limitant. Et parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ne serait-ce que dans l'univers des développeurs blockchain, déjà, de manière générale, des gens qui peuvent développer sur la blockchain, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui savent développer des dApps, dans cet univers-là, c'est la plus grande catégorie. Des gens qui sont capables de développer des virtual machines ou des smart contract language, déjà, tu réduis le nombre de personnes qui sont capables de contribuer à ce niveau-là. Et après, tu vas encore plus bas. Même sur Bitcoin, il n'y a pas beaucoup de gens qui contribuent à la code base de Bitcoin. Hein. Et même Ethereum, probablement un peu plus, mais c'est quand même extrêmement... C'est une toute petite fraction de l'univers des blockchain développeurs. Donc, ce choix d'être un petit peu intentionnel, ça peut aussi... être un frein parce que des fois si tu as des développeurs de dApp qui viennent, ils s'attendent à avoir quelque chose comme EVM où tout est déjà disponible. Donc tu as un petit peu ce truc là où on est un petit peu plus délibéré dans ce qu'on fait et on attend d'avoir un use case pour construire certains features pour être sûr de les faire très intentionnellement et pour limiter les attaques vecteurs potentielles. Donc ça c'est un choix qui peut être potentiellement limitant. Et après, on a aussi peut-être fait une approche... après, je stand behind our choice. Je pense que c'est des choix rationnels. Après, j'imagine que c'est des choses que pas tout le monde sera d'accord avec ce genre de choix et aurait fait les mêmes. Hein. Et après... Moi, je te pose cette question-là parce que je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir un regard un peu critique sur ce qu'on fait et aussi d'avoir un regard critique sur les choses parce que souvent, on a tendance à idéaliser un petit peu tout et il y a beaucoup de gens qui sont très critiques par rapport à l'écosystème. Et je pense que c'est bien de montrer à la fois les forces des propositions et à la fois les faiblesses, tu vois. Ouais. Et en vrai, une faiblesse, comme tu l'expliquais, enfin la majorité de vos forces sont entre grands guillemets des
des choses qui vont intéresser la communauté, mais qui vont être un frein à l'adoption à court terme, mais qui peuvent être vraiment quelque chose de très positif aussi à moyen long terme, si vous arrivez à franchir cette étape de passer au-delà de la limite du langage et de l'EVM compatible, etc. Ouais, quoi. Exactement. Et après... Après voilà, après c'est toujours, faut toujours prendre en contrepartie. Si tu prends, il faut regarder une blockchain dans son intégralité, parce que souvent on nous dit ah vous êtes pas aussi rapide que Solana. Certes, mais parce qu'on a fait des choix différents. Nous on a comme Solana, on s'y fait des choix techniques. Certes, ils sont très rapides, ils ont aussi d'autres inconvénients, ou en tout cas si tu es extrêmement performant d'un côté, il y a un autre endroit, c'est pas possible. Il y a des trade-offs. Il y a des trade-offs dans tous les cas. Et du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est les trade-offs qui nous semblent, pour nous, être les plus pertinents. Clairement, ça va pas... d'avoir la programmabilité, d'être une blockchain pour les smart contracts et les DApps où c'est simple, où tu peux tout faire, en principe, où tu peux tout faire, mais qui a une dimension scalable aussi, qui garde une dimension aussi sécuritaire, décentralisée. Même, de nouveau, si ça, il y a... Les gens ont beaucoup d'opinions là-dessus, tout le monde a le droit à son propre opinion et toutes ces choses-là. Donc, c'est ça. Après, voilà, il y a plein de choses. Il y a ces choix. Quand on se lance, tu sais jamais ce qui va résonner avec l'industrie, parce que typiquement, pour donner un exemple, la réduction du block time, qui est quelque chose qu'on va faire dans notre prochaine network upgrade, c'est pas quelque chose qu'on avait du tout. Je dirais que c'est pas quelque chose anticipé qu'on le ferait à ce moment-là comme ça, parce que en fait. On se rend compte entre ce que toi t'as imaginé, ce que toi tu vois, et après quand tu vois l'usage et quand tu vois tes utilisateurs, des fois il faut aussi faire des compromis entre ce que ta communauté veut et ce que toi tu imagines. Et typiquement le block time, les gens associent à tort des fois le block time avec les TPS. C'est deux choses différentes. D'avoir un block time plus court, ça augmente pas ton TPS nécessairement. Je veux dire, c'est des choses qui sont différentes, mais on a vu que aujourd'hui on a un block time de 64 secondes. Et ça, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de blockchains qui ont des block times beaucoup plus courts, et c'est quelque chose qui, en vrai, peut être très complètement abstrait au niveau de l'utilisateur, mais c'était quelque chose qui vraiment tenait à cœur à la communauté. Et du coup, c'est pour ça qu'on a regardé comment est-ce qu'on peut réduire le block time sans introduire, sans dégrader l'expérience utilisateur ou ces choses-là. Donc, on s'adapte. Et ça vient peut-être une approche peut-être un peu particulière qu'on a. Qui est peut-être un peu utopiste aujourd'hui. On a une équipe assez petite. Genre les core contributeurs, ce qu'on appelle les core contributeurs, on est 14 et pas tout le monde à temps plein. Donc en temps plein, on est temps plein équivalent, on est 10. Et on n'a pas vraiment vocation à grandir. Ça veut pas dire qu'on va pas peut-être. Il y a un moment où il faut pas qu'on se noie nous-mêmes dans les trucs, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de développer l'écosystème et d'avoir des choix, quoi. Donc vous êtes peu nombreux, vous êtes obligés de choisir vos batailles, quoi. Ouais, mais c'est surtout que ça prend du temps aussi de développer l'écosystème ou pour que l'écosystème puisse take over. Parce que nous, notre vision, la vision, c'est que, bien évidemment, au début, il faut quelqu'un qui lance et qui pousse le projet. Mais l'idée, nous, c'est de développer l'écosystème et de développer un écosystème qui trouve de l'utilité dans les technologies qu'on a présentées et qui, du coup, à la manière de beaucoup de communautés open source dans le software classique, entre guillemets, qui, du coup, contribue au développement de la blockchain. On n'a pas vocation à rester un petit peu le noyau dur de Alephium. Ce qu'on a envie, c'est de devenir... c'est éventuellement d'être qu'une goutte d'eau dans une grande mer de plein de gens qui contribuent et d'éventuellement, en gros, se fondre dans l'écosystème, en fait. Et du coup, on essaye vraiment de développer l'écosystème pour que l'écosystème soit acteur de la blockchain et de réduire un petit peu la dépendance à nous. Parce que du coup, tu parlais des désavantages, et ça en est un aussi. Comme on a fait que des technologies nouvelles, qu'on n'est pas EVM compatible, et que beaucoup des choses qu'on a lancées, elles sont propres à Alephium, elles ont été innovées et faites par Alephium pour Alephium, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, potentiellement, tu as plus de dépendance sur les core contributeurs que sur une blockchain qui serait EVM compatible, parce que n'importe qui s'y connaît en EVM, ils peuvent récupérer des core contributeurs d'autres chains. Nous, aujourd'hui, si tu veux devenir core contributeur, en gros, il faut quand même que tu apprennes au-delà des DApps, parce que les DApps, honnêtement, on a pas mal de gens qui ont bougé d'autres écosystèmes et c'est assez simple. On a très peu de gens qui ont eu, on a
honnêtement, je me souviens pas de feedback de gens qui ont dit c'est trop compliqué, j'arrive pas à... Plutôt l'inverse. Les gens étaient assez surpris à comme c'est assez intuitif, comme ça reprend quand même de la syntaxe, des aspects d'autres langages, on n'a pas vraiment eu de problème. Mais par contre, au niveau vraiment blockchain, de l'infrastructure elle-même, aujourd'hui, pour qu'on ait des gens qui soient capables de contribuer à l'infrastructure, ça va prendre du temps. Parce que un, déjà de base, dans tout l'univers blockchain, il n'y en a pas beaucoup. Et même sur Ethereum ou sur Bitcoin, il n'y en a pas énormément. Du coup, ça va prendre peut-être un petit peu plus longtemps pour nous de développer un peu le noyau dur. Et ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps à réduire cette dépendance sur les corps contributeurs au niveau du protocole, quoi. Pour toi, quels sont les aspects essentiels pour devenir un layer one adopté et populaire? Et comment aujourd'hui avoir un petit peu de l'attention dans cet écosystème où globalement on récompense tout le monde à tour de bras pour utiliser sa tech? Parce que c'est aussi ça la réalité, c'est que on a des airdrops à gogo. Parce que c'était le cas surtout le dernier cycle. Je crois que le dernier cycle, à un moment, on avait tous les layer one qui, en tout cas beaucoup, qui essayaient de récompenser à gauche à droite pour que tout le monde vienne sur ces protocoles, utiliser le layer one pour ces protocoles, et donc bribe, donc un petit peu corrompre les utilisateurs pour les faire utiliser leur tech. On a vu aussi que ça a pas forcément tenu. J'ai un peu l'impression aussi que les VC, parfois, ont des rôles un petit peu dans tout ça, que ce soit au niveau du financement ou même du marketing. Pour toi, qu'est-ce qui est important? Quels sont les aspects essentiels pour devenir un layer one populaire? Et comment survivre et exister dans cet écosystème hyper concurrentiel d'une certaine manière? Alors, je sais pas si on a répondu à cette question nous-mêmes, hein, je n'aurais pas la recette du succès parce qu'on n'y est pas encore, et je pense qu'elle peut être différente pour tout le monde. Ce que tu as dit, c'est très juste. C'est on est un projet à la base fondamentalement technique, et on a l'envie et l'idéalisme de se dire que si les gens essayent la tech, en l'essayant, ils vont se rendre compte du bénéfice, et ça suffit en fait. Parce que si tu proposes quelque chose de, c'est build it and they will come. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de l'industrie, c'est pas ça. La majorité de l'industrie, c'est des gens qui, et que ce soit project alike, hein, je veux dire. Donc il y a un aspect où nous, on pense qu'on a quand même, d'un point de vue technologique, quelque chose de tellement différent que, et quand les gens viennent, ça risque d'être ce qui les garde. Après, je pense que c'est un peu triste, mais il faut quand même que les gens entendent parler de toi au début. Et n'étant pas EVM based, comme on a en plus ce frein-là, c'est quand même important de, t'as quand même besoin d'avoir beaucoup plus d'awareness pour, entre guillemets, pouvoir convertir les gens et leur donner envie d'essayer ta blockchain. Après, on essaye toujours, nous, on n'a pas fait d'airdrop et on essaye d'être, déjà une petite équipe, on essaye toujours d'être assez transparent dans tout ce qu'on fait, et on est plutôt du côté tech. Après, il faut trouver, c'est difficile à jongler. C'est difficile à jongler parce qu'on voit, il y a beaucoup de projets, c'est dur. Nous, on essaye de se construire sur on build. Nous, parce que là aujourd'hui, là où on est, là où on peut pas être remplacé, là où personne d'autre peut faire ce que nous on fait aujourd'hui, hein, de nouveau, l'idée, c'est que dans le futur, il y a plein de gens qui puissent le faire, mais aujourd'hui, c'est la tech. Aujourd'hui, il y a que nous qui pouvons construire la tech, qui pouvons construire les bases. Et du coup, pour nous, ça, c'est vraiment notre focus. Et du coup, nous, d'un point de vue communication et marketing, on se focus énormément sur documenter la tech, essayer d'expliquer les avantages et essayer d'attirer des développeurs. Après, bien évidemment, on a beaucoup de gens dans notre écosystème qui, eux, bien évidemment, ont une approche un petit peu plus marketing. Mais nous, on a toujours essayé de faire des choses qualitatives et d'essayer de grandir organiquement. Enfin, je veux dire, on a commencé là où on a eu la chance, c'est qu'on a commencé à construire dans le... Enfin, je sais pas si c'est de la chance. Aujourd'hui, je pense que c'est de la chance. On a commencé à construire au début du bear market, ce qui fait que on a pu construire en paix. Il y avait pas cette espèce de faux mot qui, des fois, peut rendre vraiment difficile les interactions et tout. Donc, on a vraiment eu la paix pour construire les bases. Alors, on a encore plein de choses à construire, mais on a pu vraiment construire pas mal de choses. Donc, je pense que un des trucs qui est le plus important et qui n'est malheureusement pas nécessairement du contrôle de la layer one, c'est un peu le timing.
C'est un peu le timing. Et après, je pense que ça dépend vraiment du profil et des objectifs de la Layer 1. Je pense que c'est important de faire le compromis entre la vision qu'on a et la réalité, en fait. Parce qu'il y a, la vision qu'on a et l'envie qu'on a, l'idéal qu'on a. Et après, il y a la réalité du marché. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché blockchain, aujourd'hui, c'est quand même principalement des spéculateurs. Au-delà de la DeFi, NFT un petit peu sur les côtés art et ces choses-là, mais au-delà de la DeFi, il n'y a pas encore beaucoup d'adoption. Et ce qui drive l'adoption de DeFi, c'est l'envie d'être riche. Donc, on n'est pas encore... pas pour tout le monde, mais je généralise. Et du coup, aujourd'hui, on est quand même loin... On est loin d'une adoption qui soit drivée. On n'est pas encore arrivé à l'adoption de la blockchain comme technologie dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses. Donc, je pense que trouver le juste milieu entre faire quelque chose qui est en ligne avec qui on est, les valeurs qu'on a, mais qui tient quand même compte de la réalité du marché auquel on est, et d'avoir une approche un petit peu pragmatique entre les deux, et de trouver le juste milieu. Et après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de timing. Il y a beaucoup de timing. Il y a aussi beaucoup de chance. C'est-à-dire de connaître, c'est un peu comme pour tout, hein, pas que dans la crypto, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, de connaître la bonne personne qui connaît la bonne personne. Et après, si t'as un peu de chance, t'as un peu tout qui se met un petit peu en même temps. C'est un petit peu différent, par exemple, que pour Ethereum quand ils sont arrivés après Bitcoin, parce que eux, ils ont offert quelque chose qui était quand même radicalement différent. Enfin, je veux dire, donc là, je veux dire, il y avait pas de compétition pour Ethereum au moment où Ethereum est arrivé. Aujourd'hui, on est un peu sur quelque chose de différent au niveau des L1. Nous, je sais l'approche qu'on a faite. C'est vraiment, il y avait une volonté d'offrir quelque chose de différent. Donc ça fait partie de ça. Ça alimente tous les choix qu'on fait après. Après, si t'es une blockchain qui, si t'es une Layer 1 qui reprend pas copier-coller, mais quand même beaucoup des avantages d'une autre, et que du coup t'as quand même moins d'adoption, tes choix pour gérer ton adoption, ils sont quand même très différents des choix que nous on peut faire aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est intéressant ce que tu disais en vrai il y a une question de timing, de chance et de, entre guillemets, rencontrer la bonne personne qui va te permettre d'amplifier peut-être cette adoption. Ça me fait pas mal penser en fait à Solana, qui en soi ont eu la chance ou la malchance de s'associer d'une certaine manière à FTX et à SBF, en tout cas qui étaient au cœur du financement de Solana. Et la question que je me demande, c'est est-ce que même s'ils ont une bonne deck, ils auraient eu autant d'attention sans tout ça? Est-ce que on parlait autant de Solana aujourd'hui s'ils n'avaient pas été financés par FTX et SBF et qu'ils n'avaient pas eu, entre guillemets, cet argent et cette crédibilité du fait que ce soit des personnes importantes de l'écosystème pour réussir et croître en fait. Donc je pense qu'il y a véritablement une part de réalité dans tout ça, et il y a aussi je pense que il y a aussi d'autres blockchains qui sont aussi très drivées par ce qu'elles reflétaient il y a un petit moment et leurs fondateurs. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un peu sur lui c'est le fondateur, donc forcément c'est une bonne blockchain. Je pense que ça fait aussi beaucoup partie de ça, et le fait d'avoir un petit peu une sorte de culte de la personnalité, j'ai l'impression que c'est aussi une sorte de choses positives et en même temps négatives, parce que ça te permet d'attirer en fait des gens autour d'une personne qui, elle, derrière va convertir les gens sur la blockchain, et donc de mettre un visage sur une blockchain, entre guillemets, c'est plutôt pas mal. Mais derrière, si y a un quelconque drama ou problème avec cette personne-là, nécessairement, tout mon empathie, quoi. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Je voulais peut-être parler un petit peu de tu voulais peut-être rebondir, vas-y. Non, je voulais dire que totalement, et c'est toujours... Nous, on essaye... alors, on est une petite équipe, donc c'est un peu dur, entre guillemets, parce que, du coup, tu vois un peu toujours les mêmes têtes partout, hein. mais on essaye justement de pas trop faire cette idée de culte autour de la personne. De toute façon, aucun... Moi, j'aime pas trop ça, honnêtement. Nous est le fondateur d'un autre gros protocole qui on pourrait pas faire, mais c'est aussi quelque chose où nous on essaye de faire un petit peu attention à ça, parce que l'idée, c'est que, comme je le disais avant, comme l'idée éventuellement, c'est de ne devenir qu'une partie de notre écosystème parmi tant d'autres. C'est aussi important pour nous aujourd'hui de pas trop générer, ou en tout cas de pas trop renforcer ou alimenter ces choses-là. Mais de nouveau, il y a plein de blockchains pour qui ça a été extrêmement bénéfique de le faire, ou en tout cas ça leur a apporté de l'adoption
ça leur a apporté ce dont ils avaient besoin à cet instant-là, quoi. Je voulais parler un petit peu de tokenomics, mais avant de revenir sur les tokenomics, je voulais peut-être avoir ton point de vue sur la traction que Alifiam a eu jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes content un petit peu des chiffres que vous avez à la fois du côté utilisateur, à la fois développeur, ou même peut-être de partenariats spécifiques que vous avez noués, et aussi comprendre un petit peu quels sont vos plans en termes de marketing. Est-ce que vous allez rester un petit peu dans la lignée de ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui vont accélérer? Est-ce que, j'en sais rien, il va y avoir des grants? Voilà, comprendre un petit peu en termes de chiffres, où est-ce que vous vous situez en termes d'utilisateurs et développeurs, et qu'est-ce que vous allez faire pour toucher un petit peu cette audience que vous voulez conquérir dans l'écosystème? Alors, pour nous, toujours ce qui a été le driver, c'était de construire de la technologie qui est utile. C'est de faire quelque chose. On a toujours eu le fondateur et tout ça, le driver, ça a toujours été de faire de la tech utile et de pas poursuivre. Et si on se rend compte que ce qu'on fait c'est pas utile, on n'a pas d'intérêt à artificiellement maintenir un écosystème autour, parce que l'idée, ce qui drive le fondateur et ce qui nous drive un peu tous, c'est on va faire quelque chose d'utile, quelque chose qui va vraiment aider l'industrie as a whole d'avancer en tant qu'industrie et aller de l'avant. L'idée, c'est donc voilà, donc nous on a toujours été drivés par ça, donc on a toujours eu un petit peu des objectifs peut-être modeste par rapport peut-être à d'autres blockchains. Donc nous, on s'est toujours beaucoup focalisé sur l'adoption développeur. Et on a toujours été surpris en bien dès le début, parce que ça a déjà commencé au moment où on a lancé le réseau, le mainnet en novembre 2021. On s'attendait à avoir un certain hash rate dans nos têtes. On s'était dit je me souviens plus que c'était le nombre comme ça, mais si on a tant de hash rate pour les 6 premiers mois, ce sera on sera content. Au bout de 3 jours, on avait dépassé le hash rate. Il y avait une petite boîte suisse qui avait offert un service de cloud mining pour que des gens qui savent pas miner, en gros, puissent quand même bénéficier de ces choses-là. Ils avaient penser pouvoir le faire pendant un certain de temps, c'est-à-dire que le minage serait profitable pour eux pendant un certain nombre de temps. Ça allait beaucoup plus vite, parce que là où on a eu de la chance, c'est qu'on a lancé le réseau au moment où the merge de Ethereum, donc le passage au proof of stake, cette fois ça avait l'air d'arriver, et surtout on a eu de la chance parce que notre algorithme de minage, c'est un timing intéressant, hein. et c'était pas, je veux dire, pour le coup, c'était pas calculé, en fait. Et c'est surtout que, là, j'ai un doute, mais en gros, quand t'es un mineur, selon l'algorithme de minage, il utilise différentes parties de ta GPU quand tu mines. Et nous, en fait, la partie qu'on utilise, je me souviens plus lequel des deux. Mais en gros, on était super attractif pour faire du dual mining, où en fait, les gens, ils avec la même GPU, ils minent, avec le même miner, ils minent plusieurs coins. Et la façon dont notre algorithme de minage est, fait qu'on était super bien pour faire du dual mining avec Ethereum. Du coup, et parce qu'on avait lancé, je pense, à peu près 6 mois ou 8 mois avant la transition. Et du coup, on a eu pas mal d'adoption au niveau des mineurs, parce qu'en fait, ça augmentait la profitabilité de leur infrastructure de minage. Donc déjà là, on a eu plus d'adoption que ce qu'on imaginait. Après, en ayant commencé, on a lancé le projet en novembre 2021. Donc en gros, le mainnet, la plupart de la vie d'Alifiam, elle s'est faite dans un bear market. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup, là, les cinq derniers mois, je dirais, les 3 derniers mois, on a quand même eu beaucoup une grosse augmentation au niveau de l'adoption. On a toujours eu une adoption assez, on a eu la chance d'avoir une adoption qui augmentait tous les mois depuis qu'on a existé, mais après, de manière très, très modeste, mais on avait toujours plus de gens sur notre Discord, sur notre Telegram, sur notre Twitter. Et dès le début, on a fait des choses qu'on va continuer à faire. On a toujours essayé de travailler avec notre écosystème et avec des projets qui sont adjacents, donc qui ont soit des communautés qui partagent certains fondamentaux techniques ou certaines valeurs fondamentales. Donc on fait partie de l'association la UTXO Alliance, donc c'est une association entre les blockchains qui construit sur le modèle UTXO. On travaille beaucoup aussi avec Flux, qui font beaucoup de choses autour de l'écosystème Proof of Work. Donc on essaye vraiment de faire partie de notre écosystème et d'interagir avec des écosystèmes qui ont des similarités avec les nôtres pour
déjà de base, parce que c'est, je veux dire, si t'as quelqu'un qui croit pas en proof of work, qui croit pas au truc proof of work, de le convertir à l'EFIM, de lui faire voir la valeur de l'EFIM sera plus difficile que si tu présentes à l'EFIM dans des environnements qui sont déjà en accord avec certains choix que t'as fait. Donc on a lancé le Mainnet, on a eu pas mal de traction avec les mineurs déjà assez dès le début. On a eu la chance de faire notre premier listing sur un exchange qui était sur le top 10. Alors je sais pas si c'était une chance, enfin comme tout est à double tranchant. Donc on a commencé notre premier exchange listing, c'était sur Gate, qui était dans le top 10, et je crois qu'ils sont maintenant toujours dans le top 10. L'avantage, c'est qu'on a commencé avec un gros exchange. Le désavantage, c'est que tout le monde voulait plus de listings. Mais je veux dire, quand tu commences avec un exchange dans le top 10 et que tu as un petit projet dans le bear market, aller au-dessus de ça en termes de taille d'exchange, difficile. Tu peux pas, quoi. Donc on n'a pas forcément pu avoir un peu ce build-up, tu sais, d'exchange comme tu veux, parce qu'on a eu la chance de commencer très haut, parce que il y a des gens chez Gate qui sont tombés sur le code d'Alephium, qui ont trouvé que le code était cool et qui ont dit « Ah, on veut lister Alephium ». Donc et ça, pareil, ça c'était 100% de la chance, 100% de la chance. Mais notre communauté nous a demandé plus de listings pendant longtemps. pendant longtemps. De toute façon, c'est toujours demandé dans les communautés, hein. J'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre. Ouais. Oui. De toute façon, plus de marketing, c'est ce qu'on te demande tout le temps, mais personne, c'est vraiment, quand ils disent ça, ce qu'ils veulent, c'est plus de price action et. C'est juste que le prix monte. Ça, mais parce que plus de marketing, nous, on a toujours fait, des fois, les gens disent, ah, quand est-ce que vous allez commencer à faire du marketing? Et t'es un peu là, genre, moi, on fait du marketing depuis le début, en fait. Depuis le début, on documente notre tech, on en parle, on va dans d'autres communautés pour la présenter. C'est juste que, ça prend du temps, en fait, de construire ce momentum et de ces choses-là. Et là, du coup, on a donc la première année, on s'est beaucoup concentré sur stabiliser le réseau, enfin s'assurer que le mainnet était stable, que l'infrastructure de minage était bien. On a et tout le reste après, ça a été dans tout le reste de cette année-là jusqu'en donc 2022, hein, quand on a, parce que c'était fin 2021 qu'on a lancé, c'était vraiment sur rendre l'environnement de développement pour les développeurs de DApp plus friendly. Donc, les DApp étaient possibles sur Alephium dès le début. Mais je veux dire, il fallait quand même construire pas mal de choses. Donc nous, on a amélioré notre SDK. Donc c'est, enfin, on a développé tout ce qu'on pouvait. Tous les outils pour vraiment faciliter la transition de l'adoption par des nouveaux développeurs. Ça s'est matérialisé par ce que nous on a appelé l'upgrade Léman, qui est le nom du lac vers la partie okay. romande de la Suisse. Et du coup, donc ça c'était en mars, fin mars 2023. Et du coup, à partir du mois d'août 2023, on a commencé à avoir nos premières dates. Donc c'est modeste, hein, de nouveau, si tu compares. Mais on commence un peu à avoir l'effet boule de neige. Donc on a eu notre premier DEX qui a été développé par une équipe externe. On a eu une plateforme de NFT. Là, on a quelques des loteries décentralisées, des petits jeux décentralisés. Et là, qui ont été annoncés, qui sont en train d'être développés, il y a alors lending, ça, il y a encore. Je sais qu'il y a des équipes qui travaillent dessus, mais il y a personne qui l'a officiellement annoncé encore aujourd'hui. Donc il y a du côté lending, mais il y a pas mal de choses autour un launchpad pour permettre au projet on chain de se lancer et de gérer des levées de fonds on chain. Il y a un mixeur, il y a une équipe qui bosse sur un mixeur. Il y a encore d'autres choses liées à la DeFi. Donc on commence à avoir une accélération des projets qui sont en train de se faire sur Alephium. On voit beaucoup plus de développeurs. Un des grands catalyseurs, je dirais, autre que le timing, qui est quand même, on sent quand même que l'industrie, globalement, elle rentre dans une phase plus positive. Et je veux dire, on n'est pas les seuls blockchain, layer one ou projets qui ont eu un truc positif. Mais nous, on a eu, je pense, en plus du fait que c'était au bon moment, on a eu un catalyseur, c'est qu'on a relisé lancer un bridge, donc c'est aussi une application décentralisée qui nous a permis vers Ethereum comme première blockchain, qui nous a permis d'amener en fait les stablecoins sur Alephium, parce que comme on est une nouvelle blockchain, d'avoir enfin Tether, ils vont pas nativement commencer à échouer sur Alephium, on est bien trop petit, voilà. Mais pour que l'écosystème puisse grandir, c'était important qu'on ait des stablecoins. Donc ça nous a permis d'amener des stablecoins et des assets qui sont pas nativement disponibles sur Alephium avec le bridge. Et aussi en fait, l'autre côté de ça, c'est que les gens ont pu bridger Alephium et le trader sur Uniswap. Qui Uniswap aujourd'hui reste, c'est le plus gros DEX, hein, en nombre. Et du coup, ça a amené
une autre dimension à nos marchés, en fait. Et après, on a eu plus de listings et tout ça. Et du coup, aujourd'hui, en termes de chiffres, ça augmente extrêmement rapidement. Donc, à chaque fois que je regarde, c'est un petit peu différent. Mais je dirais, on a environ 100 000 unique active adresses sur le réseau. Donc, 100 000 active adresses. Si tu regardes le hash rate, aujourd'hui, on est quand même principalement miné avec de la GPU. Si tu regardes le hash rate et que tu fais une grosse approximation, on est quand même sur plus de 100 000, 100, 150 000 GPUs. Alors, il y a plein de mineurs qui ont plus qu'une GPUs, mais donc on a quand même entre 100 et 150 000 GPUs et peut-être quelques FPGA qui minent sur le réseau. On a en TVL entre le bridge et le DEX, la dernière fois que je regardais, on avait plus de 30 millions de dollars de TVL sur entre le bridge et le DEX. Du coup, donc voilà, et comme je disais, on a je crois qu'on a 6 dApps qui sont live par des third party. On en a en tout cas 6 autres qui ont été annoncés et en tout cas plein d'autres. Et ce qui est cool, c'est qu'on a notre premier hackathon. Donc on n'avait jamais fait de hackathon avant et on fait notre premier hackathon là au mois de février. Donc on a pas mal d'enthousiasme, on va ouvrir les inscriptions bientôt et on voit quand même pas mal d'engouement auprès des développeurs. Et ce qu'on est content, c'est qu'on voit des développeurs qui viennent d'autres écosystèmes, qui essayent à les faire, mais qui nous donnent des feedbacks quand même assez positifs. Du coup, pour nous, on est déjà bien content. En vrai, c'est bien parce que les hackathons historiquement, c'est ce qui a plutôt bien marché, par exemple pour de nombreux Layer 1, je pense aussi à Solana. Solana ont été très très forts pour ça. Je parle de Solana parce que c'est surtout ce que je connais, ce que j'utilise régulièrement depuis 3 ans maintenant. Mais eux, ils ont été très très forts sur les hackathons. Ils font des hacker house, etc. très régulièrement. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à ramener beaucoup de développeurs dans l'écosystème, ou en tout cas à avoir beaucoup de gens qui initient de nouvelles choses, en fait. Donc c'est plutôt cool. Je crois que tu me fais une transition parfaite juste avant, parce que tu parlais de bridge et de token. Je voulais parler un petit peu des tokenomics, parce que vous avez des tokenomics qui sont vraiment différents du layer one, je dirais, classique, ou en tout cas des projets qui se lancent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment elles ont été conçues et qu'est-ce qui était important pour vous lorsque vous les avez imaginées? Tu vois, comment on imagine des tokenomics? Parce que en réalité, le succès d'un projet est énormément contraint ou impacté par le design des tokenomics, en réalité. Parce qu'au final, les gens s'intéressent à des projets parce que souvent le token pump, et si t'as de mauvaises tokenomics, bon, ça peut créer de la pression vendeuse, tu peux avoir une mauvaise gestion de ton supply, et ça peut impacter aussi négativement le prix, c'est une réalité. Donc voilà, comment vous avez un petit peu imaginé, conçu tout ça, et quelles sont les différences avec ce qui se fait habituellement? Alors, moi, j'étais pas là quand ça a été conçu, imaginé, mais je connais la logique. Donc, en gros, déjà, on a un coin proof of work. Donc déjà, les coins sont minés. Donc le supply maximum de Alephium qui seront minés, c'est 1 milliard pour l'instant. Enfin, c'est ce qui est dans la blockchain. C'est 1 milliard. Aujourd'hui, quand on a lancé le réseau avec le lancement, avec le premier bloc, on a minté des allocations. Donc on avait une allocation de 8% du supply total, donc des 1 milliard, qui est alloué à aux ventes, donc pour vendre des tokens et pour financer le projet. En cash, hein, du coup, pour financer le projet. On a vendu une grosse partie déjà. Il nous en reste un petit bout de cette allocation qu'on pourra vendre aussi pour sécuriser plus de fonds pour le projet. Donc ça, c'était 8% du supply maximum. Ensuite, on avait 3% du supply pour la trésorerie et l'équipe. Donc c'est aujourd'hui toujours géré par l'entité. Donc c'est pour donner un petit peu d'incentive en token qui travaille. Nos salaires sont payés en cash, hein. On est employé, on est payé en cash, mais on participe un peu au truc, donc c'est sympa d'avoir un petit intéressement en Alephium, mais aussi pour payer les fournisseurs en Alephium. Enfin, je veux dire, on a des fois nos avocats, ils sont OK d'être payés en Alephium, donc c'est vraiment pour le treasury et l'équipe. Et ensuite, on a l'écosystème fund qui est aussi 3%, donc c'est 30 millions de half qui est là vraiment dédié pour la croissance de l'écosystème. Donc principalement, c'est pour les grants aujourd'hui. C'est principalement pour faire des grants et c'est vraiment dédié à ça. Et du coup, comme on a un projet proof of work, ça, là, ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a pour toujours. Genre, on peut pas créer des nouveaux half out of thin air. Et du coup, la majorité du supply, donc les
86% restants du supply, ça s'est miné sur les prochaines 80 années. Et du coup, notre minage, on n'a pas du halving comme Bitcoin. Le block reward, elle est dynamique en fonction du temps et du hash rate, en gros. Le reste du supply, les 86%, sera miné au cours des environ 80 prochaines années. Après, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on n'arrivera jamais au supply maximum, donc les 1 milliard, parce qu'on a plusieurs forces déflationnaires, qu'on appelle. Donc, par exemple, on brûle aujourd'hui, tous les frais de transaction sont brûlés. Donc, ça diminue le nombre de half qui existent, quoi. Et on a aussi, on en parlait tout à l'heure, du proof of less work, où à partir d'un moment, les mineurs devront aussi brûler des aletheums, en plus de fournir du computing power, en plus de fournir du hash. Donc, ça, c'est encore des forces déflationnaires. Après, t'as aussi, si tu déploies un smart contract sur aletheum, tu dois loquer un certain nombre de half. Ça, c'est pour éviter que tout le monde, éviter que la blockchain soit surchargée de contrats inutiles, donc pour incentiviser les gens à quand le smart contract est outdated, plus en usage, de le détruire, pour éviter de surcharger la blockchain avec des choses qui sont pas utiles. Donc voilà. Après, donc c'est un petit peu nos tokenomics. Et nous après ça c'est quelque chose que je dis après les gens, j'ai pas moyen de te le prouver, hein, mais nous on mine pas. Nos propres aletheums. Donc, de un, on n'a pas besoin, vu qu'on c'est a les allocations. C'est une question que je me posais, tu vois. Après, je me suis dit ça, peut-être qu'ils peuvent le faire en soi, parce que, en vrai, on peut, enfin, c'est pas des actions, mais quand tu fais partie d'un projet, t'as envie d'avoir tes intérêts qui sont quand même alignés, et donc, que si le projet réussisse, bah, en fait, tu profites de cette réussite d'une certaine manière. Mais ouais, je savais pas du tout que vous en miniez pas, quoi. Bah c'est pour ça. Bah en fait le truc c'est qu'on n'a pas besoin, parce que c'est pour ça qu'on a eu ces allocations. Déjà dans notre équipe on a personne qui est vraiment des mineurs, mais ça peut se résoudre, hein. Tu peux trouver des gens qui bien sûr. Mais en fait il y a pas besoin de, parce que miner c'est quand même pas c'est pas trivial, c'est très dur de le faire de manière profitable. Tu peux pas, tu le fais pas partout de manière profitable, ça dépend du coup de ton électricité. Donc obligé de vendre des jetons pour retomber sur tes pattes, etc. Donc Donc, c'était beaucoup plus simple et ça nous permettait de nous concentrer sur builder, d'avoir... on a ces allocations au début et du coup, on n'a pas besoin de miner aujourd'hui. Et du coup, nous, on mine pas... on mine pas notre propre coin, parce qu'on a déjà nos allocations qui nous sont allouées pour sécuriser des fonds, pour incentiviser l'équipe et avoir une trésorerie pour payer des choses. Et on a la partie écosystème... qui est disponible pour financer la croissance de l'écosystème. Donc voilà. Après c'est quelque chose où enfin je te le dis après à mon peut pas vraiment c'est aux gens de vous croire, tout est anonyme, donc tu peux pas le prouver, mais nous aujourd'hui on n'a pas du tout d'intérêt ou de besoin de miner notre propre coin, parce que beaucoup de mineurs, enfin miner c'est pas trivial, et nous on se concentre sur construire, et on a déjà ce qu'il faut pour faire ça, donc ça marche. Bah écoute Maud, je pense que on a couvert pas mal de sujets. Je pense que, moi j'ai trouvé ça très intéressant, honnêtement, parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'interviewer des gens qui créent un layer one, donc de l'infra et des fondations sur lesquelles d'autres vont bâtir en fait. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Surtout qu'on nous parle beaucoup de Bitcoin, d'Ethereum, maintenant aussi de d'autres solutions. Mais pas forcément d'alternatives qui ressemblent à la vôtre. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment top. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Peut-être pour clôturer, est-ce que tu as peut-être des informations exclusives à nous partager, des choses intéressantes qui pourraient arriver prochainement sur aletheum, ou peut-être quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais dire aux gens qui sont restés jusqu'au bout de cette interview? Alors, j'ai rien d'exclusif tout ça, mais je pense que le truc qui nous tient le plus à cœur maintenant, ce sera vraiment notre premier hackathon. Donc, alors c'est un hackathon peut-être modeste. Tu parlais de Solana, on n'est pas du tout à cette échelle-là encore, mais pour nous, le premier hackathon, c'est quand même une milestone vraiment qui nous tient à cœur, parce que c'est un peu un appel aux développeurs à venir découvrir la technologie d'Aletheum. Donc c'est vraiment, je pense aujourd'hui, ce qu'on attend le plus, c'est de voir les gens un petit peu s'amuser et nous faire des
aussi à nous faire découvrir des choses qu'on n'a pas forcément vues dans notre écosystème. Parce que, enfin, quand tu construis, t'as un peu la tête comme ça. Et quand t'as des gens qui viennent avec d'autres perspectives, c'est toujours enrichissant. Donc, c'est vraiment ce dont on s'attend le plus. Donc, c'est ça, vraiment, pour nous, le truc le plus qui nous tient à cœur là aujourd'hui. Ça marche. Bah écoute, je mettrai tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés par ce hackathon ou même pour suivre tout simplement Aléfium. Et puis voilà, on se retrouve très vite. C'était Picsou, c'était Mode. Tchuss.